rage au désespoir. Ô vieillesse ennemie, n'ai-je d'autant vécu que pour cette infamie. Ne me suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir un jour faire rire tant de lauriers. Super, mais j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part, pas toi? C'est drôle, moi aussi. C'est bien, non? Vous trouvez pas? Oui, moi je trouve ça bien, ça balance bien, vous dansez bien et tout, mais j'ai vraiment l'impression de connaître déjà ça. Attends que je réfléchisse. Orage, désespoir... Ça y est, c'est Corneille, c'est la tirade de Don Diego dans le Cid. Eh bien. Et tu l'as mis en musique? Ouais. Oh là, c'est osé. Je dirais même plus, il faut pas faire ça, Nicolas. Oh bah, tout à l'heure, vous trouviez ça bien. Oui, mais tout à l'heure, c'était tout à l'heure. Voilà. Ah, faut reconnaître que Julie a raison, c'est vrai, le Cid de Corneille, c'est intouchable. Mmh. Moi, par contre, j'aimerais bien que tu nous refasses cette tirade, mais sans musique. Ok. Non, tout à l'heure, Nicolas, parce que pour l'instant, il est grand temps de donner le programme à nos amis. Mmh. En plus, je suis sûre qu'ils sont impatients de le connaître. Monsieur Corneille peut-être attendre un petit peu. Oui. Bon, eh bien écoutez, nous retrouverons nos amis les Goumis dans deux épisodes. Tumi va découvrir que la cécité de la bergère Trina ne l'empêche pas de veiller sur ses moutons. Et puis nous verrons Toadi, l'associé Victorm, qui va découvrir le chemin qui mène au torrent des Goumis. Il y aura également l'oncle Picsou et Gripsou sur la piste du trésor ultime, une noix d'or au pouvoir magique. Puis il y aura une série de gags avec plutôt le chat Milton et une dinde. Nous partirons en reportage à Euro Disney. Il y aura notre séquence chez Midi Midi consacrée à la magie et notre rubrique courrier. Eh bien voilà un programme épatant, Philippe, mais nous allons tout de suite commencer ce Disney Club mercredi avec un dessin animé où Donald est aux prises avec des abeilles qui font du miel avec ses fleurs. Voici Donald. Ceux qui viennent seulement de se réveiller ont raté non seulement Nicolas en danseur et chanteur de rap, mais aussi notre premier dessin animé. Mais qu'il se rassure, il y en aura beaucoup d'autres dans ce Disney Club mercredi. D'ailleurs, Nicolas, tu nous rappelles le programme? Mais avec plaisir, Julie. Dans quelques secondes, nous retrouverons deux nouveaux épisodes des Goumis, puis notre joyeuse bande à Picsou, sans oublier un dessin animé avec Pluto. Ah bah ça y est, ça le reprend. Mais il y a aussi, Nicolas, notre rubrique magie, notre séquence courrier et un reportage à Euro Disney. Alors on se retrouve dans quelques secondes pour la suite du Disney Club mercredi. Comme promis, voici donc deux nouveaux épisodes de nos amis les Goumis. Alors figurez-vous dans le deuxième épisode que Toadi, l'associé Victorm, découvre le chemin qui mène au torrent des Goumis. Mais tout de suite, nous allons retrouver Tumi qui découvre que malgré sa cécité, la bergère Trina veille quand même sur ses moutons. Voici nos amis les Goumis. Ouais. Que maintenant, si on devait exposer tous vos dessins, il nous faudrait des kilomètres de murs, tellement nous en recevons. D'ailleurs, dans quelques instants, nous allons vous en présenter de nouveau. Alors, à tout de suite dans le Disney Club mercredi. Je vous le disais tout à l'heure, nous recevons toujours autant de courriers, ça nous fait énormément plaisir. D'ailleurs, un de ces jours, il faudrait qu'on pense à faire une exposition ici. Oh, bonne idée. Alors, vos dessins, bien, ils sont tous formidables. Nous en avons un ici qui nous est envoyé par Valène, qui a 7 ans, qui habite Lucange, et apparemment, elle a été inspirée par Noël. Elle nous a dessiné Mickey et Minnie en Père Noël et en Mère Noël. Elle nous a également envoyé sa photo où elle fait la pitre. Ça doit être une pitre à la maison. Bravo quand même pour ton dessin. Un autre dessin, c'est celui de Laetitia. Ils sont faits, c'est de la peinture. Et Laetitia nous envoie un dessin de Pluto qui apparemment a l'air aussi gourmand que vous, les garçons, puisqu'il réclame son gros nonos. Et Laetitia nous a également envoyé sa photo. Oui, il a bien raison d'être gourmand. Un dessin de Blanche-Neige et les Sept Nains qui nous est envoyé par Tony, qui a 10 ans et qui habite Le Mans. Voilà, c'est superbe, il y a les Sept Nains, il y a tout le monde, c'est dans la forêt, c'est très beau comme couleur. Très belle, très jolie. Alors ici nous avons un dessin de Riri, Fifi et Loulou qui sont au golf avec Oncle Picsou. Je monte de l'autre côté parce que vous cachez tout. Vous voulez le voir? Tiens, regardez comme il est joli. Hein, je suis sûr que Picsou doit très bien jouer au golf. C'est un dessin qui nous est envoyé par Rémini qui habite Concarneau et qui nous dit qu'elle est très contente de faire un dessin pour nous. Ben, nous on est très contente de le montrer parce que c'est très joli ton dessin. Bravo! Un dessin de Mickey et Minnie qui sont en train de faire un pique-nique et c'est Toufik qui a 8 ans qui nous l'envoie.
et ils nous précisent qu'il y a le neveu de Mimi qui est avec eux et il a l'air de bien s'amuser. Voilà. Bah oui, ça a l'air très bon. Et enfin, un dernier dessin, c'est celui de Sabrina qui a 11 ans et qui nous envoie le célébrissime Mickey, toujours en pleine forme, il a toujours la pêche, c'est super. Vous aussi, si vous avez des dessins, surtout n'hésitez pas à nous les envoyer, des dessins, des peintures, des photos, bref, tout ce que vous voulez, à cette adresse, le Disney Club mercredi, CEDEX 4399-430, Paris Concours. Vous savez que quelquefois, la publicité peut être mensongère. On voit comme ça une magnifique dinde à la télévision en train de rôtir. On s'imagine qu'elle est là, toute proche, qu'on peut la manger. Eh bien non, c'est une pub. Eh bien figurez-vous que notre ami Pluto et le chat Milton vont vivre cette douloureuse expérience. Voici Pluto.